Joli. Faudra bien que tu te montres tôt ou tard. Où va nous mener cet ascenseur, quoi? Ah, je peux le faire avec les flèches, ça va plus vite. C'est vrai, Brassol? Je savais pas. Merci, roi. Signe de vie détecté. Analyse en cours. Si vous avez besoin d'aide, veuillez vous approcher de l'interphone. Analyse supplémentaire en cours. L'utilisateur n'est pas autorisé à pénétrer dans la zone de confinement médical. J'aurais pourtant bien aimé un peu de compagnie. Cela fait tellement longtemps. Je dois y aller. Oh, très bien. L'utilisateur n'est pas autorisé à pénétrer dans la zone de confinement médical. Désolé, je ne peux rien y faire. Je crois que t'es pas prêt de voir des utilisateurs autorisés. Soit tu me laisses entrer, soit t'attends éternellement. C'est toi qui vois. Vous vous rendez bien compte que je suis un ordinateur. Je peux attendre longtemps. Très longtemps. Mes capteurs biométriques ont été calibrés pour laisser entrer un prototype de synthétique. Intrigant. Très intrigant. J'aime bien ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Brassol. Oui, je parle français. Pourquoi Vader, tu es anglais? Alors, je suis dans l'usine Vimp. Les Vimpop. Ok. Ça va, je croyais que je suis reporté. Non, mais ça va, ça va. Ah bon, pourtant, c'est chaud quand même de rater une cible comme ça. Ah, tu fais des petites siestes comme ça, Lyon. Ah ouais. C'est une T50, je crois, T51. Truc intéressant, ouais, des trucs intéressants. Hein. Salut, c'est Fiex. Oui, je joue sur PC, gros. Bye, je m'en vais. Salut, gros. Bonne soirée. Bon week-end. Ah, c'est une T51. Ouais. Alors, tu m'as dit ZQSD? Ah, d'accord, ok.
D'accord, ouais. Je vois le délire. Après, c'est une habitude à prendre. Hein. Tu peux avancer avec les flèches? Ouais, d'accord. Ça va plus vite, oui et non, en fait, hein, c'est pareil. Hein. Génial. Ça dit moi je suis pressé? Ah ça dit elle, moi je suis pressé, ok. Par là, je bourrine mes touches pour ça. Après, c'est une question d'habitude. Tu fais comme tu veux. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est bon, ça va en fait. J'avais jamais percuté que je pouvais faire ça en fait. Mais c'est bon, ça va en tout cas si on me le demande. Ou, merci pour l'info, gros. D'accord. Quoi? Vous avez entendu la mini nuque là qui s'enclenchait? C'est quoi ce délire? C'est quoi ça? Atelier de chimie. Y a quelqu'un? Quelqu'un? J'ai eu chaud, putain. Heureusement que j'ai vite réagi. Hein. J'ai pas compris comment ça se fait que... Malgré qu'il m'ait vu, en fait, j'ai plus le one shot, en fait. J'ai tiré sur la bombe. J'ai dû tirer sur la bombe, ça me fait respirer. Le cul, mon frère. Oh. Quoi? Qui est là? Ça fait drôle, quand même, d'avoir une armure comme ça aussi fat. Et je joue avec un petit flingue, gros. Ouais, le réflexe mort de rire quoi. Salut Crazer, ça vaut quoi? J'ai pas fait exprès de tirer sur la nuque direct. Mais j'ai flippé en fait, j'ai tiré dessus. Mais heureusement que j'ai tiré un peu, qu'il était éloigné de moi, sinon j'aurais explosé avec lui. Ça m'a fait rire pendant 4 secondes, mais heureusement, gros.
Ça va tranquille, merci. Salut Ryan. Merci beaucoup, Crazer. Ouais, ça va tranquille, frérot. Génial. Merci beaucoup, Ryan, pour le follow. Welcome, gros. Bon, sans faire exprès, en fait, on en parle que j'ai récupéré un objet de quête, en fait. J'ai récupéré un objet de quête, mais je sais pas du tout ce que c'est. Donc j'ai pas dû parler encore au PNJ qui me proposait cette quête. Mais du coup, ben, d'une pierre deux coups, je l'ai fait. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, il va falloir que je revienne avec, avec Valentine. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec Valentine, mais de ouf. Il doit être à Sanctuary, je pense. Il doit traîner, vagabonder dans Sanctuary. Je pense avoir fait le tour. Hein. Je pense avoir fait le tour. Il n'y a plus grand chose à voir là. À la limite, si je suis pas allé là, là. Ouais, des cubes. Trop bien. Bon, alors ça c'est bon, ça c'est visité. On va vite aller au chalet. Comme ça c'est fait. Re. Alors il en est où? Ben écoute, je me balade comme d'hab quoi. Ah au fait, les PV des ennemis montent avec ton level. Par contre les armes au niveau maximum. Oui oui je sais ça Brazov. Je sais, c'est pour ça que je suis level 75. Oh. Je sais qu'ils ont plus de PV. Je vais lui donner du whisky. Il est où? Tu fais quoi là? On trace la route. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui, on va. J'ai mon flingue. On se bouge alors? Non, non, non. Je voudrais faire. Pas de problème. J'ai envie de faire quelque chose, gros. Je pense que tu vas kiffer. Je sais pas si c'est faisable. Qui va kiffer si je fais ça? Lui dit rien. Merde, ça l'a pas posé. J'arrête pas de me dire que je vais le poser un jour. Mais je crois que j'ai déjà raté le coup. Je sais que je parle pas de la difficulté, mais par rapport au level, j'ai compris. Pourquoi ouais. Oh, je peux pas la poser? Normal ça? Je sais pas où j'ai le plus mal. Au dos ou au pied. Bon, quoi qu'il en soit, allez hop. Mes armes. Ok. J'en ai récupéré pas mal là. Fusil arpent légendaire, ça y est, enfin. Rouleau à pâtisserie, mine. Mine lance-missile. J'en ai trop là. Ah, mais ça a pas de poids, on s'en fout non? Je joue pas en... Ah si, ça a du poids. Ok, gardien, superviseur, cocktail molotov, je joue jamais avec. Je ramasse des trucs frère, même moi je me dis mais... Bah t'as pas tes bouchées hein, gros.
Ok. Et quand je serai mort et enterré, nul besoin de m'offrir une pierre tombale. Allongez-moi juste dans ma terre natale, avec un broc de ponche à mes pieds. On trace la route ? Mais ta gueule, putain, Suivan. Ouais, le Starkiller, ça vaut quoi ? Wesh, ça vaut quoi ? Francis Noyak. Comment tu vas, la famille ? Je t'ai pas envoyé un message ce matin, je savais que j'allais dormir. J'allais profiter que je termine le live vers entre 18h30 et 19h pour t'appeler, gros. Comment tu vas ? Ça vaut quoi ? Elle se mettra dans l'atelier. D'accord. Il a mal fini, celui-là. Hein. Putain. Ok. J'hésite à aller chercher directement le coquin. J'hésite à aller chercher le coquin en fait. J'en suis au niveau des données. Oh. Mieux vaut oublier. Éliminer le chef des trappeurs. Ah oui. Allez, on va faire ça. Il est où ce coquin? Wow, mais il est tarpé loin, gros. Ah, c'est pour ça que j'étais vers l'usine, en fait. D'accord, ok, ok, ok. Je savais pas pourquoi, en fait. On allume un peu. C'est bon, Witcher et Fallout. Ouais, ouais, j'avoue, deux extensions d'un coup, comme ça. Putain, énervé. Franchement, je suis guette, là. J'en ai combien? Je sais pas, frérot. Franchement, je sais pas du tout. J'ai commencé hier à 21h. Je fais 21h, 3h. Je crois, j'ai fait 3h. Jusqu'à 3h. Ouais, c'est ça. Et du coup... Je dois être pratiquement, je pense, allez, 9h. 9h de jeu. Je pense, hein. Ouais, ouais, si, ouais. Je refais du The Witcher tellement j'ai hâte, sérieux. Moi aussi, je vais faire une semaine The Witcher là quand j'ai fini celui-là. Putain, je vois que dalle. C'est son bras ça? Ban, boum, pourquoi qu'est-ce qu'il a? Mort de rire. Ça me touche, merci beaucoup Lulu. Passe un excellent week-end frérot. Tu es vraiment un mec de merde gros. Me dites pas que c'est l'autre qui a repris et recréé C'est un tueur, c'est Adis. C'est un tueur mon frère. Oh 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 oh! Ah non! Ah oui, mais là maintenant c'est mort! Et ça, pour te cacher. Oh. C'est le deuxième aujourd'hui, hein! Je la sens, l'odeur du sang! Bien reposé en tout cas gros, j'ai pas vu hier jusqu'à où tu étais J'ai pas vu où tu en étais frérot hier. Je pense que c'est le même qui a recréé un compte, non?
C'est obligé. Il a pas kiffé qu'on l'a kické, je crois. Ou peut-être pas en fait, hein, c'est pas du tout lui. Hein. Je sais pas, bref, je m'en bats les couilles. Vas-y, on va se rendre directement pour tuer le trappeur là. Je suis allé trop vite, frère, ça a pas compté le kill. Foiré. Holy shit. Je suis trop loin là. Yo, ninja, ça va ou quoi, frérot? Bien. Wesh, Cookie, comment tu vas? Il doumait. Ah ouais, il était à fond sur. J'ai pas regardé s'il m'a répondu à Nice, mais je sais pas du tout s'il en est à combien. Best girl in Twitch. Ça c'est vrai, franchement, Ellie, au top. J'ai pas trop avancé en fait. Sur le DLC, il m'a fallu du temps pour me remettre un peu dans le bain, mais bon, gros kiff. Il faut de revenir sur. Pire, oh, la même. Si j'arrive à avancer. Jusqu'à moi à chaque fois. Oh putain, il est en train de tout défoncer. On a pas le time là. Mais arrête, y'en a une autre. Ah non, non, non. J'ai pas vu ce que tu jouais, gros, par contre, comme perso. Ah ouais, ouais, si, c'en est une autre. LOL. Elle prend rien, frère. Pourquoi elle prend rien comme ça? T'es sérieux, elle me crache jusqu'ici? Crasseuse. 20% de chance d'infliger. Ah, une infirmité à la jambe. Ça peut être pas mal. J'ai combien de balles? 2000. Ouais, je suis MC Aaron. Ça va ou quoi? Comment tu vas, gros? Ah, ouais, d'accord. Oh la pute. À ce qui paraît, je suis en danger là. Comment tu vas? Ça vaut quoi, Macaron? Ça fait un moment que je t'avais pas vu, frérot. Oh. Dommage, ça fait nos dégâts, mais c'est frat. Ah, ils sont en train de se chauffer avec. Trop de bêtes, gros, trop de bêtes. Ça va, on est là, frérot. Je suis un peu en PLS, je vais pas te mentir, gros. J'aime pas trop ces fins de jeu, ces trucs et tout, ça me casse un peu les couilles. Ouais. Ça fait deux jours que je passe des explosifs dans la carrière, tout s'est bien passé, sauf que Tom s'est fait sauter par accident. Tom, trois petits points. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour déclencher une série d'explosions. Au total, j'ai relié 6 charges. Ça devrait suffire à repousser un autre assaut.
Ouais, d'accord, ok. Maurice. Viens ici. Ouais, d'accord, plus loin, frère, mais plus loin. Mon vieux. Le problème, c'est que Maurice. Ouais, ce démoniaque, ça vaut quoi? Il est parti où ce con? Mais qu'est-ce que tu fais, frère? M. Bernard l'ermite. Oh non, encore. Il est malin, Maurice, hein. Salut Bernard, comment tu vas? Alors mon vieux, tu m'en connais? Ta gueule, Maurice. Oh putain, je l'ai fait imploser ou quoi? Oh non. En flamme. Allez. C'est bon, je t'ai vu, je t'ai vu. Y'a Marion qui te passe le bonjour. Bah écoute, fais-lui des bisous. Merci beaucoup. Salut Céréal, ça va quoi? Mieux que le précédent? Oui. De toute façon, tu peux pas faire mieux que le précédent. Le précédent était très très court, hein, je trouve. Il était bien, le précédent, Automatron. Mais celui-ci, il y a une nouvelle map et tout, tu vois. Genre, je suis pas sur... je suis pas dans le Commonwealth. Je suis vraiment, gros, on est dans un autre délire, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont buggés, ces trucs-là. Où est-il, Bernard? Je vais dire, il est où Thierry, frère? Il est où Thierry l'ermite? Ah, il est là. Ah, oui, oui. Un ennemi de taille. Je vais préférer. Je vais essayer de faire en sorte qu'il me touche pas. J'ai envie d'aller chercher le Fatman, les gars. C'est bon, j'y suis maintenant. Ouais, c'est pas comme si j'avais 15, 45 grenades, gros. Le mec s'en bat les couilles complet. Là. Qu'est-ce que j'ai dans le stock qui pourrait être bien contre ce flex VS couille, je sais pas quoi. Les grosses pétoires, tiens, gros, ça fait un moment que j'ai pas utilisé. Ta gueule. Il est triste quand même ce mob, hein? Non? Il fait lui sauter la cartouche! Il est triste ce mob! Qu'est-ce qu'il a? Il me fait de la peine en vrai, oh.
touriste sa nouvelle Angleterre. Mais en vrai, la cartouche, ça lui fait nos dégâts, quoi. Oh! Je suis en train de te tirer dessus, là! Faut avoir la gentillesse de te retourner. What the? Oh putain! Bon allez, en lutte! Au prochain bronzé, enculé. Putain. C'est quoi ce gajo, bro? Il vit dans sa caravane. Bon, t'as rien, mais j'ai pas compris, frère. Le bordel, il me spam de... On en parle de lui, on en parle de lui. Allez, maintenant il boite, il fait moins le malin, hein. Tristesse de... Alors, ça va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Ma foi. Merci beaucoup à Manchin 31 du follow, welcome. Je sais pas où il est, je sais pas où il est parti. Ah, il est là-bas. Ah, mais c'est chaud, frère. Oh, regardez ça. Jeune Bernard l'arbitre. Oh, la tristesse, mec, tu me fais traverser toute la map, arrête, oh. Tain, par contre, là, ça me casse les couilles, hein. Oh oh. Oh, une seconde, j'ai oublié. Les no dégâts quand tu chiches du coup, c'est... Taras. T'aimes les voitures? T'es malin, hein? T'es malin, enculé. Mais t'es encore... Oh! Aïe, 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 je suis mort! Ah, mais y'a trop de mecs, y'a trop de mecs! Oh non, Thierry l'Armite, le fils de flûte. Vas-y, casse-toi. Oh, capitaine! Le mec, il m'a en PLS. Merci beaucoup, Brazal, pour le follow. Du coup, j'ai pas tiré Ber... Ouais, d'accord, le mec il m'a eu de là. Mais pourquoi tu prends pas tes balles, toi? C'est le brouillard. J'hallucine ou quoi?
Run for your life! Il est où? Mais tu sais quoi? Le fait que je sois invisible, je vois plus rien, gros. C'est bien, hein? Mais je vois pas où je tire, frère, je te jure! C'est ouf quand même! Franchement, c'est énervé l'invisibilité, hein! Mais genre, quand tu te mets comme ça, bon, il y a encore y a le viseur, mais voilà, tu te mets comme ça, tu vises, il y a plus de viseur. Tu sais pas où tu tires. Ils auraient pu laisser le viseur quand tu es invisible. Les coquins. Non, mais tu comprends, c'est l'immersion du jeu. Ok. Merci beaucoup Fire King pour le follow. Welcome. Bon Maurice. Il a fait le tour de la planète, ce con. Wow wow wow. Quoi? C'est pas possible, il est maudit ce mob. Ça va. Allez les gars, le fight du siècle quoi, Godzilla quoi. Mais il fait nos dégâts en plus le tout, je comprends pas gros. Merci beaucoup N88 du follow. Et là d'un coup il se retourne, il met un coup de one shot. Enfin. Et dans ta caravane, tu avais qui encore? Gajou. Tout ça pour ça quoi, Ninjardin, mais qu'est-ce que tu fous? Tristesse du mob quoi, il m'a rendu fou. Hein. Bon là où il y a un mec. Désolé, je joue dans l'obscurité, je suis obligé ou sinon les mecs ils me voient. Hein. J'éclaire quand je recline la zone. Que je suis caché, mais est-ce qu'il y a un autre mec? On dirait que non. Ok, il y a un labo de chimie. Je vais me faire cuire de l'armite là. Barmar. Bah. De quoi? Barmac? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça gros? Truc de ouf.
L'après-midi, c'est la fête des cotorep ou quoi, frère? Meskin. Mais je suis sûr que c'est le même gajo. Hein. C'est un truc de ouf, mec. Et si c'est le même gajo qui recrée des comptes, mais il est triste, le chip. C'est lui? Oh Douglas. Ok. Mon dieu. Salut Morgane, ça va quoi? Je t'avais pas vu. Ah là 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 là. Tu sais, il avait sa propre cuisinière et tout. Lui, il était bien. Oh, c'est stylé, n'empêche. Salle de bain et tout, bah 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 bah. Là, ils se mettent bien, hein. Excellent. Clé de Douglas. Ok, mais à quoi elle sert cette clé, frère? Il y avait un coffre, j'ai pas vu. Message de Douglas. J'ai surpris un dégât en train de servir dans le butin qu'on a fauché. D'accord, dans un filet de pêche, il a balancé ça lui? Ok. Dans un filet de pêche, il va falloir que je trouve son butin. Hein. Oh putain. Un filet de pêche, ok. Ouais, je pense que ça va être lui, ouais, ma foi. Triste. Ah, je le sens bien là. Non, c'est des filets de pêche ça. Nice. Oh. Ok. Rien de très intéressant à ce niveau-là, mais tu vois, heureusement que tu fouilles un peu. Il y a moyen de trouver des jolies choses. Bon, c'est indiqué, hein. C'est pas comme si genre c'était vraiment caché. Ça fait plaisir. Le respect, qu'est-ce qu'il y a? Oh, le chip, ouais. Salut Aromatique, j'ai lipé de Cacaprout, c'est qui Cacaprout? Je sais même pas qui c'est gros. Non, on fait rien du tout mec. Je le dédos. Non, ça m'a les couilles frère. Donne-moi là s'il te plaît. Ah le bâtard. Ah le bâtard. Il est pas aussi là. Il est pas aussi sympa quand hein. C'est un mec, il a rien à faire de sa vie, mais ce qu'il laissez-le.
Laissez-le, laissez-le. Putain, chaud. Vas-y, balance-le à Anis, hein. Anis va kiffer. Oh putain. Mais surtout que les mecs ils te disent ça derrière leur PC, mais après quand ils sont en face de toi ils assument pas ces grosses victimes là. Tu vois, je te dis ou pas? C'est pour ça que je préfère même pas me. Gros, j'ai déjà assez de soucis dans la vie, frère, pour me prendre la tête avec des petits coteaux sur le net, tu vois. Mais après, je sens que si je monte à la Paris Games Week avec. Avec Anis, je sens qu'on va rigoler. Vous cherchez du boulot? Adressez-vous à la marinière. Le trappeur qui a tué votre mari est mort. Dans ce cas, c'est terminé. On en a enfin terminé. Toutes ces vies perdues. Toutes ces dettes. Enfin payées. Et ce n'est pas un enfant de Far-Arbor qui a affronté l'île pour venger la lignée des Dalton. C'est vous, quelqu'un d'étranger, du continent. Le dernier chapitre vient d'être écrit. L'histoire touche à sa fin. Je ne pensais jamais vivre ce jour. Je vous remercie. Ça m'a fait plaisir de vous aider. J'espère vous avoir réconforté un peu. Je vous le confirme. Bref, une histoire digne de ce nom doit avoir une fin heureuse, pas vrai? Le héros trouve le trésor, charme la fille et repart avec elle, chevauchant vers le soleil couchant. Je suis un peu vieille pour monter à cheval. Mais j'ai bien quelque chose qui ressemble à un trésor. C'est une antiquité que ma famille possède depuis... Oh, attendez... Oh, respecte-moi, toi. Casse-toi. Une ou deux générations. Il ne reste aucun Dalton pour en hériter. Alors, autant qu'elle vous revienne. L'île connaît bien cette arme. Ça, oui. Elle vous prendra au sérieux si vous vous baladez avec. Et voilà, c'est la fin. Je peux maintenant dormir sur mes deux oreilles, sachant que toutes mes affaires seront réglées quand on m'emmènera dans la tombe. Vous pouvez partir. Mon histoire est terminée. Mais la vôtre commence juste à devenir intéressante. Waouh! Pour mon build sneaky, c'est ouf. Hein. Pour mon build sneaky, elle peut être ouf en fait. Parce que celle que j'utilisais, moi, c'était la lame de Pikmin qui mettait 15 points de dégâts d'hémorragie. Celle-ci, elle en met 25. Par contre, elle est lente. Ça, ça me casse la. Dommage. Hein. Tu vois, elle aurait été moyenne encore. Et pas mal, franchement, pas mal. Une arme pas mal. Ah là 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 là. Si tu montes à la Paris Gastronomie, je viens direct. En fait, je vais voir en fait s'il y a des gens qui sont chauds et tout. Nos sympathiques habitants font tout leur possible pour vous chasser d'ici, mais vous vous entêtez à aider cette bande d'ingrats. Je me demande vraiment ce qui vous pousse à continuer. Vous êtes des gens bien et vous traversez le mauvais espace. Lourd, lourd le désert. Je vais vous donner un coup de main. Hein? Vous vous présentez aux élections? Si c'est ça, vous êtes trop bien pour nous. Les gens d'ici, ils ont leurs habitudes, vous comprenez? Vous aurez beau faire des efforts, ça sera pas facile de les changer. Sans rire. Il nous a fallu 3 générations avant de réussir à convaincre les Dalton de nous vendre un quignon de pain. Mais il paraît qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors il y a toujours moyen d'y arriver, même si c'est la croix et la bannière. Toujours changer leur opinion? J'aimerais vraiment changer leur opinion sur moi. Si vous vous y prenez comme il faut, les Iliens finiront peut-être par voir les gens du continent autrement. À l'époque, on choisissait les chefs avec une épreuve qu'on appelait la danse du capitaine. Il paraît que les plus forts, les plus méchants et les plus dingues parmi les habitants devaient jeter des appâts dans l'eau pour attirer les pires monstruosités de l'île. Une fois que l'aspirant capitaine avait tué la reine des fangeux, le rôdeur des brumes ou je sais pas quoi encore,
Il invitait toute l'île pour dévorer sa carcasse dans un grand festin. Bon, je dis pas qu'on vous nommera capitaine non plus, mais si vous faites ça, tout le monde vous respectera. Je vais devenir une légende. Eh bien, allons-y. Je vais devenir une légende. Une quoi? Vous me faites marrer, vous. Il y a un coin à Fangeux bien connu, pas loin de la jetée des Mettes. La côte est dangereuse par là. Allez-y et balancez de la viande dans l'eau, peu importe laquelle. Le sang et les viscères devraient attirer du beau monde. Vous aurez plus qu'à attendre. Moi, je vais m'arranger pour qu'il y ait un témoin ou deux, histoire que tout le monde sache ce que vous valez vraiment. Mort de rire. Merci beaucoup, Ludo, pour le follow. Wesh, tonton Faya, ça vaut quoi? Bien ou bien, frérot? C'est plaisir, ça faisait un petit moment que je t'avais pas vu. Franchement lourd, hein. Lourd gros, franchement. Après là, c'est la petite meuf Cassie. Je t'avais pas vu. Vous avez besoin de moyens. J'ai tout... Comment le pêcheur peut vous aider aujourd'hui? Voyons ce que vous avez. Voyons voir ça. Il a demandé en plus, lui. J'ai l'impression que j'en trouve pas de ces munitions, hein, frère. Cette île ne me fait pas peur. Je pourrais tout endurer. C'est ce que tu dis, ouais. Alors, rite de passage, c'est où son truc? Ok, j'y suis pas encore. Là, ils font rien là. Pourquoi ils sont câblés ici? Ils sont bloqués un peu. Hein. Bon, allez, c'est parti. On va rigoler, M. Chouille. Ah, mais non, attends, il est 18h25 là. Oui, ouais, je me chope ça ou quoi, frérot? Comment tu vas? Non. Je sais pas ce que je fais ce soir sur ma vie. Je sais pas du tout, gros. Merci beaucoup pour le Bishop, tiens, tueur. Merci, frérot. Je sais pas du tout ce que je fais. Honnêtement, je vais pas vous mentir, le vendredi soir, c'est le jour de repos. Tu as vu pour me caler avec ma femme? En vrai, elle chez neuf, tu vois. Genre, elle marronne, c'est normal, gros. Elle marronne parce que tous les soirs, en fait, on habite ensemble et on est jamais ensemble. Donc, elle marronne, tu as vu que. De dormir seul et tout, frérot, donc voilà. Même de se caler des petits films et tout, tranquille. Donc je vais voir, franchement, je vous tiens au courant de toute façon sur Twitter ou quoi. Mais je pense pas, honnêtement, je pense que je vais host. Je vais host des collègues. J'aime pas quand le time est comme ça. Ça va tranquille, merci, frérot. Merci beaucoup. Ouais, ça va tranquille. On est là. On est là. Attends, je suis à combien de poids là sur moi? 229, ça va. Et après, le problème c'est que dès que ma fille elle va arriver, ça va être le why. C'est normal, tu stream déjà pas mal. Ouais, j'avoue. Mais bon, peut-être si moi je m'écouterai, je streamerai encore plus, mais bon. Comment je l'ai raté, lui? Bon, on va arrêter, c'est les... On va arriver chez les fils d'air. Bon, t'as vu mon tweet sur Fallout? Non. J'ai pas vu, gros. Il s'est passé quoi? Aujourd'hui? Si c'est ce matin, quoi. Si c'est aujourd'hui, je l'ai pas vu parce que, genre, je suis pas...
suis pas allé encore sur Twitter, gros. Je regarderai ça tout à l'heure. J'aurais envie de leur mettre des balles. Putain. Je suis le seul gars de Joe arrivé, mais genre dans le sens inverse en fait, tu vois. Pitié, Richter. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons toujours été. Pas de familiarité entre nous. Je suis le grand dévot. Et votre dévouement est remis en cause. Vous devez prouver votre foi. L'un d'entre vous pourra retrouver sa place dans la famille. Quant à l'autre, il retournera auprès d'Atome. Richter. C'est de la folie. Vous ne pouvez pas nous demander de... Autre chose ? Ce sera tout, ma sœur. Merci, grand dévot. Wouah ! Ouah, elle a pas le time, la gadji ! Vous... Qu'est-ce que vous faites là ? C'est Far Harbor qui vous envoie ? Oh, stylé, gros ! T'as une bonne tête, pour une fois ! Un problème avec Far Harbor ? Vous avez un problème avec Far Harbor ? Ces infidèles persécutent nos missionnaires et usent de technologies impies pour voler à Atome les terres qui lui reviennent de droit. Oh là là. Je ne saurais dire lequel de ces péchés est le plus révoltant. Jurez-moi que vous n'êtes pas là pour accomplir leur basse besogne. Bye Macaron, excellente soirée frérot. Bon week-end. Non ! Le prochain DLC de fuiter déjà sur Fallout ? Oh ! Stylé, putain mec, tu me vends du rêve là. Fais-le, fais-le. Non, non. Allez, c'est parti. Far Harbor peut aller se faire voir en ce qui me concerne. Ce n'est pas moi qui vais vous contredire. Alors, expliquez-moi ce que vous faites sur ces terres sacrées sans autorisation. À moins que vous ne soyez là pour vous joindre aux enfants d'Atome. Tout à fait. Oui, j'aimerais me joindre à vous. Où est-ce que je signe ? Il appartient à Atome de décider qui peut rejoindre notre famille. Vous devez vous soumettre à un rituel. Vous montrer digne à ses yeux. Très bien. Je ferai selon la volonté d'Atome. Alors, espérons qu'il vous juge digne. Il y a une petite source non loin d'ici. Allez y boire. Et voyez où elle mène. Quand vous reviendrez, nous discuterons de votre intégration aux fidèles. Oh, elle est stylée son armure, hein. Je la kiffe, hein. Ouais, je suis en mode infiltration, là. Oh, ils sont stylés leur armure, j'adore. Non, elle est grave stylée. Je kiffe. Buvez dommage. La source. Nous parlerons ensuite. Putain. Oups. Ça, je vais me téléporter, gros. Infiltration, Mordori va se faire voir direct. Non. Je suis très très bon en infiltre, toi-même tu le sais, frère. T'as vu, t'as kiffé aussi. Ouais, bon, franchement, un show. Pareil, il va se voir direct en infiltre, ils vont me griller, gros. En même temps, je vais péter un câble à un moment, je vais devoir tous les tuer. Je me sens un petit génocide d'Atome, là. Fils d'Atome, mon cul. Va lui me faire boire des trucs, mais... Eh mec, c'est leur toilette, wesh. T'es sérieux ou quoi? Ils veulent que je boive l'eau de leur chiotte. Dans Skyrim un peu là. Sauf que j'ai un flingue.
Oh frère, tu aurais pu me prévenir, j'aurais pris une gourde d'eau et tout là. Ah c'est bon. Excusez-moi. Là gros mode vas-y va à l'intérieur, mais en vrai genre il y a 500 ghouls devant. Putain, tu en veux des rats de toi? Regarde tout ce qu'il y a. Non, c'est qui court en forêt? Salut Ninja, ça vaut quoi? A plus, cool boss. Merci de passer sur le stream, frérot. Merde, il est où? Sérieux, il donne rien? Ah mais c'est un truc de fou, pourquoi ça me troll comme ça à chaque fois? Il donne rien frère. Voir un indice quelque part. M-O-T-H-E-R. Mother. Mère. Ce serait ça le mot de passe? Dans la radioactivité quoi, mais ma foi, il est sous chelou hein. Ça vaut quoi Ninja? Bien Gouland, tu m'étonnes, salut Zork. Tranquille. Allons chercher Gérald de Rive, mort de rire.
C'est la première fois que je viens sur ton stream, Para. Avant, j'étais regardé. Sérieux? Mais merci d'être là, Ninja. C'est cool, gros. J'espère que tu apprécieras plus le stream que les vidéos. C'est un peu mort, les vidéos. Tu vois, je veux dire, pour interagir avec les gens et tout. C'est pour ça que je préfère beaucoup. Je préfère limite stream. Vous êtes de retour. C'est déjà plus que ce à quoi je m'attendais. Est-ce qu'Atom vous a révélé quelque chose? J'ai bu l'eau de la source et une femme m'a montré cette icône. Qu'est-ce que ça veut dire? Une femme? Elle vous a montré cette icône? Quelle femme? Qu'avez-vous vu? Gérald, c'est des bifles. Ah, il y a ma femme et ma fille là. Comme dans un autre monde. Cette femme, elle était comme une ombre vivante. Merci entourée beaucoup, du brouillard. Atome tout puissant. Vous l'avez réellement vu? La mère du brouillard? La mère est une messagère d'Atome. Oui. T'as la tresse? Elle sert de guide à ceux qui ont une place importante dans ses plans. Et l'avenir de cette famille. C'est elle qui a mené le premier d'entre nous ici. Et si elle s'est montrée à vous, alors je pense que le chemin qu'il vous a réservé est clair. Si vous êtes d'accord pour passer à la prochaine étape, je pense qu'une place vous est réservée parmi les enfants d'Atome. Elle n'a pas été sage? Non, pas trop. Ah bon? Je vous assure. Ben, parce qu'elle s'arrêtait pas de... Elle a fait TB. Canarder les jouets, de... Elle est allée plusieurs fois au coin. C'est vrai? Coquine. Moi, j'accepte de suivre son chemin. Qu'il en soit ainsi. T'as fini, toi? Entrez et présentez l'icône au grand professeur après son sermon. Ça devrait l'intéresser au plus haut point. Une fois que vous lui aurez parlé, revenez nous voir. J'aimerais vous confier une tâche. Et voilà pour vous. De quoi vous rendre plus présentable. Mais retenez bien une chose. Nous sommes tous de fervents serviteurs d'Atome ici. Messager ou non, aucune action à l'encontre de la famille ne sera tolérée. Bienvenue parmi nous, mon frère. Il m'appelait mon frère, lui. Tenue de croyant d'Atome. Oh là 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 là. Là, je vais être obligé de la porter, en fait, c'est ça? Oh. Ah, 4 secondes qu'elle est là, déjà pleuré. Ouais. Allez, va dans ta chambre. Vous avez compris, pourquoi je stream pas quand tu as ma fille? C'est mignon cet âge-là. Ça pleure pas. C'est tout beau, ça dit pas des gros mots déjà presque. Mort de rire. Bon, bref, je suis rentré. Elle va faire 3 ans là. Elle va faire 3 ans. J'arrive, t'es là. Bonne équipe. Je suis mort. Non, pas encore, encore. Je suis obligé, je vais aller. Oh, c'est trop mignon, la petite. Mort de rire, Anis. C'est quand que je fais un peu chier. On rigole. Le stream part en pleurs. Je vois ce qui m'attend. C'est une commis de plongée. Oh, mais elle est dégueulasse là. Dégueulasse. Mais bon, pour l'instant, je suis obligé de le prendre. Hein, vu que je suis parti d'Atome. Attends, montre la tête que j'ai sur le. Je crois que je l'avais rasé. Ouais, le balafré, gros. On remet ton masque, on remet ton masque.